La saison officielle du TVB a commencé dans un minibus. Les volleyeurs tourangeaux ont pris la route hier après-midi pour disputer ce mardi soir la Supercoupe à Paris, face à Paris. Et les objectifs cette saison du Tour Volleyball sont toujours aussi limpides. Il faut gagner le plus de titres possible, c'est plus simple. Champion de France les trois dernières années, auteur du doublé Coupe de France championnat depuis deux saisons, le TVB veut garder son hégémonie sur le volley français et continuer d'attiser l'envie chez les autres clubs de la Liga. C'est vrai qu'on est l'équipe à battre, on a une cible, on sera une cible toute l'année pour toutes les équipes. Il faut qu'on apprenne à jouer avec ça, il faut qu'on apprenne à se servir de ça. La principale difficulté sera donc de rester le patron sur les parquets français. À cela s'ajoute la Ligue des Champions. Le TVB pourra briller face à Mazek, Perugia et Ankara. Au rythme de deux matchs par semaine jusqu'en mai, le Tour Volleyball ne doit pas se lasser de gagner. Ça doit marcher comme une motivation pour nous d'essayer encore une saison, encore un an à contrer tout ça, à garder le titre chez nous, à garder les victoires chez nous. Et le paradoxe du volley européen, c'est que des franchises puissantes ont plié à l'étranger et ont relevé le niveau du championnat français. Il y a un bon niveau de joueurs étrangers qui ont rejoint encore le championnat de France avec l'écroulement de certains pays qui sont en difficulté, comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie. Donc de bons joueurs arrivent. Il y a des bons joueurs dans toutes les équipes du championnat. Donc ce qui, à chaque match, va être un combat. Après, il faut être prêt au combat. Pour rappel, la Supercoupe de ce soir devrait opposer le vainqueur de la Coupe au champion 2014. Comme Tours a remporté les deux compétitions et comme Paris était finaliste les deux fois, il revient à l'équipe parisienne de tenter de faire la révolution dans le volley français.